Beaucoup de gens disent, oh, c'est bientôt la fin du monde. Même au temps du prophète Ali Sassoum, des personnes vont venir et vont dire, quand est-ce la fin du monde? Et notre prophète Mohammed Ali Sassoum va dire, et qu'as-tu préparé pour elle? La fin du monde n'est pas importante, mais la fin de notre vie, la fin de chacun d'entre nous, Inch'Allah, lorsque Allah a décrété que c'est la fin, c'est cette fin-là qui nous importe. Et qu'avons-nous préparé justement pour Allah subhanahu wa ta'ala? Lorsque nous allons rencontrer Allah, qu'avons-nous préparé et pour lui montrer justement ce que nous avons œuvré pour lui, Inch'Allah? Donc c'est cette fin-là qui est importante et pas la fin du monde, car notre prophète Mohammed a dit qu'il y avait encore des événements qui allaient se passer, comme la descente de Isa alayhi salam, du prophète Jésus qui va encore revenir sur terre. Il y a encore des événements qui vont être, mais peut-être que nous ne verrons pas ces éléments-là et nous ne verrons pas donc la fin entre guillemets du monde. Mais notre fin à nous peut arriver bien avant ça, et elle peut arriver aujourd'hui, elle peut arriver demain, elle peut arriver très prochainement. Donc c'est pour ça que nous devons, Inch'Allah, œuvrer pour le jour où nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, où nous serons, Inch'Allah, fiers de montrer à Allah les œuvres que nous avons faites dans cette vie-là. Car Allah, il nous aide justement à œuvrer au maximum de nos capacités pour pouvoir lui présenter les actes pour sa satisfaction à lui. Amin, amin, ya Rabbil Alamin.